Bien oui, bienvenue sur BHL TV, bienvenue dans Les chefs sont des ordures. Parlons un peu de Tchernobyl, Poutine, là. Parlons un peu des premiers accidents. Macron, là. Parlons un peu d'Areva. Bienvenue dans les salopes d'État corrompus. Vous êtes bien sur BHL TV, maintenant il est 15h15. Il y avait 14h41 quand même. Une inauguration symbolique. À Versailles. L'Europe, quelle connerie. La Russie, c'est de la merde. Comment y va ton peuple? Hein, Vladimir? Vlad. Et le macro, ton peuple, il va pas bien non plus. Hein. Par contre, putain, le pognon que ça coûte, là. Le chômage et la sécu, ça coûte même pas 3 milliards par an. La politique, c'est 410. Tu vois. Allô, le macro. Bon, t'es quand même élu à même pas 20%, toi. Et encore, des inscrits. Ça veut dire qu'il y a aussi... Il n'y a pas un mec sur 10 qui a voté pour toi, en fait. Il n'y a que les suppôts, là. Les collabos de système, là. Et l'autre, non. Putain, qu'est-ce qu'on est bien en Russie. Faut pas être journaliste en Russie. Hein. On a vite fait de te péter les deux bras, les deux jambes, mais ça va, ils descendent pas un avion pour... Ils tombent pas 200 mecs pour juste un mec, tu vois. Et là-bas, c'est une calache, un mec, je lui pète la gueule, et puis c'est tout. C'est économique. Après, dans les laboratoires, tout ça. J'avais un copain, il venait de la Biélorussie. Il était ingénieur en Biélorussie. Quand il était payé, je sais pas, il gagnait genre 300-400 euros par mois. Il est venu changer des plaquettes à feu vert, il gagnait 1300-1400 euros par mois. Tu vois. Donc à faire. Il est bossé, il est parti bosser pour Elia Monaco. Quoi. Bon. Tu vois comment il changeait les plaquettes, t'étais pas sûr qu'il répare des hélicoptères, mais bon. Regarde les raclures, ça c'est de la raclure. La vraie salope qui se serre la main. Ça c'est des vrais putes de. Des suppôts. Hein. C'est Satan. Hein. Ça c'est des vrais putes d'État corrompu là. C'est vraiment de la merde. Peut-être qu'il a. Et l'autre, non? Le macro, c'est bien en boîte. Ça se Rothschild, hein? Non, t'as les dents qui poussent. Oui, tu comprends. Tant qu'à faire à Versailles. Hein. Et les gardes, là, qui servent à rien. Comment c'est payé pour un foot, ça? Oh, le prestige. Mais quel prestige. Mais bande de cons, putain. Vous comprenez rien à la vie sur Terre ou quoi? Vous faites exprès d'être con? Dans l'esprit, le temps et l'argent, ça n'existe pas.